Depuis l'âge de 4 ans, le ski m'a aidé à devenir ce que je suis. Je suis né au pied de cette montagne et j'ai grandi dans ses bras. Je l'ai côtoyé tous les jours avec mes potes, mes skis et mon bonnet. Plus jeune, je voyais les autres riders se propulser dans les airs, un peu comme des oufs. J'ai découvert une passion, une envie et surtout une famille. Je voulais être comme eux, qu'importe le prix. Je suis accro au ski, à la montagne, et personne ne me l'enlèvera. Mais quand on vous dit qu'il n'y a plus rien à faire et que tout est fini pour cette saison, il est difficile de se dire que tout ira bien. L'heure avait sonné, je ne pouvais plus attendre. Je devais être là-haut. Tant pis les autres, j'avais déjà oublié. Être en montagne est un sentiment. Un sentiment d'équilibre entre la terre et le ciel. Un sentiment difficile à imaginer. Tant qu'on n'y est pas. Le silence faisait du bruit. Je n'avais jamais entendu ça. La Clusaz était complètement morte. Et la neige était encore là. Même seule, l'absence prenait de la place. Mais peu m'importe. Le vide en moi était enfin comblé. Après 2 mois, je voulais savoir de quoi j'étais capable et retrouver mes sensations.
comme si tout était resté figé. Là, même en haut. J'apprends à être solitaire, une sorte d'autoprotection. Mais quand on est seul, le résultat reste le même. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. On pense pouvoir être capable de tout, que l'on peut rendre possible l'impossible. C'est faux. La solitude grandit, et l'acharnement ne rime à rien. Ici, c'est la nature qui décide. On chute dans le noir avec elle, et on atterrit de plus en plus violemment. Je pensais que ça me rendrait plus fort, mais c'est sans espoir. On ne voit personne et je ne partage rien. Quel intérêt ? Est essentiel, mais il n'y a pas que les rapports humains qui nous procurent de la joie de vivre. Il y en a tout autour de nous. Je pense qu'il faut varier les points de vue et voir ce que la nature peut nous donner, surtout quand elle décide de reprendre ses droits. Tout ira bien.